Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathendo et bienvenue dans ce nouvel épisode de Xenoblade Chronicles 3. J'espère que vous allez bien. Nous allons dans cet épisode, on va aller parler, tiens, à Nona maintenant. Elle a une petite étoile. Vous allez vraiment affronter les Mobius, Reset aussi? Oui. Je vous préviens, si une seule personne ne rentre pas en vie, vous aurez affaire à moi. Assurez-vous que ça n'arrive pas. Bien sûr, on gardera Reset saine et sauve, c'est promis. Je parlais aussi de vous. Alors... Comment te dire que techniquement on va tous être en vie, mais que techniquement tout le monde est mort aussi. Parce qu'à la base personne n'est vraiment vivant. Enfin si, mais non. Bref. On va aller voir les quêtes, on doit avoir des quêtes à faire. On enregistre nos ponts notamment, lol. Les intentions de Seeker, ignorance, qu'il agit de bonne foi, les habitants de la cité trouvent le comportement de Seeker suspect. On a l'activation de Doric. Non, on a encore Bam Bam et l'autre là, Dorin, c'est ça. Shinbala, le passeur est mort. Shijima. Pour voir comment va mon reine. Leur projet de mariage avance, il y a quelques trucs à faire. Laquelle vous tente le plus? Je peux pas vous demander. On va faire celle-là. On l'avait entamé dans notre périple précédent. Alors Lambda c'est là, hop. C'est celle-ci. Donc on va aller voir ça. On avait effectivement parlé à je ne sais plus qui, à propos de celui qui était parti, qui était mort, qui était disparu. Il y a peu de passeurs, tout ça. On va aller voir ça. Tonya m'a fait savoir que vous comptiez aussi nous prêter main forte. Désolé de devoir nous vous mêler à nos affaires. On n'allait quand même pas vous laisser vous débrouiller tout seul. Merci. Il semblerait que tout le monde soit là. Voici donc vos instructions. Les capitaines d'équipe ont reçu tous les détails. Nous allons vous expliquer le gros de la stratégie. Écoutez bien. L'ennemi dispose de nombreuses troupes et d'une grande puissance de feu. Et notre colonie n'est pas au mieux de sa forme. À quel point nos informations sur l'ennemi sont-elles exactes? Koji a vérifié leur puissance de feu et elle concorde avec les renseignements fournis par l'équipe de reconnaissance. Si Koji le dit, ça doit être vrai. Nous avons déjà établi une ligne de défense, elle devrait pouvoir confirmer ces informations d'ici peu. Vous pouvez vraiment vous le permettre, ils sont pratiquement à votre porte, non? Tulgrim est tacticien et son rôle ici est d'assurer la défense de la colonie. Mais pour bien défendre, il ne suffit pas de se tenir droit et d'encaisser les attaques. L'idée est de diviser l'ennemi et de les ralentir autant que possible. Et dans ce type de bataille, il est vital d'en savoir un maximum sur le camp d'en face. Si l'on connaît la composition des troupes adverses ainsi que leurs déplacements, il est plus facile de savoir comment réagir. Exactement. Je songeais aussi à déployer quelques Levnis autonomes, de quoi leur rendre la tâche plus difficile. Bonne idée. Le plus logique serait de les positionner dans les endroits difficiles à défendre pour les soldats. Oui, faisons comme ça, que toutes les équipes se préparent pour la bataille. J'imagine que ça vaut pour nous aussi. Ok. Alors je suis en train de me rappeler... que l'on peut changer... Non, c'est pas ça. Que l'on peut changer la tenue de nos personnages. Et que dans ce cas-là... notre cache-œil, on peut pas voir l'épée là pour le coup, mais... Mais que dans ce cas-là... On a d'autres... Est-ce qu'on les a toutes débloquées? Non, pas du tout. Paladin des Noupons. Noah Mayo. Si on l'a débloqué de Noah Mayo? Je savais pas qu'on les avait débloqués les tenues DLC. Uniforme militaire. Ça c'est Grey. On peut changer nos tenues. Bon évidemment on va le mettre en maillot. Est-ce que je peux tous les mettre en maillot? Ah non, il y a que Noah qui est en maillot. Ah dommage. J'ai pas débloqué ça. Je dois avoir les trois. Non. Y'a que Noah que j'ai en maillot? Lance classique, ça fait
C'est Rain, ça, c'est un. Ouais. Est-ce qu'on n'est pas sur Brigid là? J'ai l'impression qu'on est sur une Brigid, mais je suis pas certain. Ça correspond ça, c'est juste sa couleur de base. Uniforme militaire. La mode reset. On peut changer les tenues, c'est vrai, ça c'est cool. Bon, on va faire ça. Tenue de base. Quoi, elle est bien elle? Ça c'est Lance. Ça c'est sa tenue de base. J'aime beaucoup cette tenue moi. Du stratège. On va la mettre en stratège. Lance. Ça, c'est la tenue de base. Monarque invocateur. Et pourquoi pas? Ou alors en juste pirate. En Mobius. Allez. Va pour le Mobius. Toi, t'es déjà en Mobius, ça te va pas trop. Va te mettre en autre chose. En tacticien, t'as la classe, je trouve. C'est ta classe en plus, donc. Va te mettre en tacticien. Après, ça, c'est Ethel, quoi. Stylé aussi, mais on va mettre à Yuni, je pense plutôt. Ah, quoique. En Kamouravi, c'est stylé aussi. Il y a une couleur. Ouais, en couleur bleue, il est sympa aussi, mais. Hop, est-ce que toi je peux te mettre en Ethel? C'est possible, oui. Archer. Avant-garde égarée. Est-ce que c'est celle-là? Non, ça c'est. Comment elle s'appelle? Monica, c'est Vandamme. Tacticien artilleur. Non, elle y est pas. Hein. Dame, elle y est pas. Je peux pas la mettre en Ethel. Armure au miam. Oracle de vie, je peux pas la faire jouer Melia, elle. Faudrait qu'elle soit en Melia. On va la mettre en Noah, mais c'est pas cohérent. En Noah, en Miyu. Non. Nia. Putain, je suis perdu, moi. En Romiam. En Ethel, allez, vas-y. Va pour Ethel. Ouais. Mais c'est qui peut se mettre en. C'était Lance qui avait Monarque. Ouais, Monarque Invocateur. Bah non. Si c'est ça, Monarque Invocateur, c'est. Ça doit être ça, hein. Ouais, c'est ça. Monarque Invocateur, c'est bien. C'est bien elle. Ok. Je pensais qu'on avait une qu'on pouvait avoir qu'on pouvait débloquer ces tenues-là avec le DLC là, vous savez. Elles doivent y être aussi. Donc on fera ça. Qu'on soit en tenue intéressante. On fera les DLC dans les prochains épisodes, vous savez, les combats là. Pour débloquer des tenues, qu'on puisse en profiter. Alors vous êtes vraiment venus. Bien sûr, vous vous préparez pour l'attaque d'Agnus. Tout à fait, nous nous apprêtons à rejoindre notre poste de combat. Nous serons postés près de l'entrée de la cascade. Vous êtes avec nous? Oui, nous combattrons à vos côtés, en tenue évidemment adéquate. Alors, en route pour la cascade, nous avons une contre-attaque à planifier. Pin-pin-pin. Ils arrivent! Et c'est pas juste, ils sont là plutôt que prévu. Cela ne changera rien de s'en plaindre. Allons-y! Comment tu peux être pris au sérieux, la Noah, t'es en maillot de bain? T'es littéralement en maillot. Mais ça montre le balécouillisme. Hein. S'en bat les steaks, complet! Spadassien Agnien. J'aurais pu me baisser le niveau. Peut-être. Je sais pas. Après, j'ai pas spécialement besoin de monter de niveau plus que ça. Hein. Le niveau 89. On est pas loin du 90. Pin, pin, pin. Pour le coup. Autant la strat de baisser le niveau dans le DLC est tout à fait intéressante. Ça permettra
Vous voyez, on baisse le niveau, on fait des combats, comme ça on gagne de l'XP bonus, et après on peut remonter plus haut que niveau. Ça c'est tout à fait intéressant parce qu'on a besoin de gagner du niveau. Autant pour là, je suis pas sûr qu'on en ait vraiment besoin. Donc autant pas s'éterniser sur les petits combats. Ça veut dire on est dans de la flotte, donc finalement, c'est pas si déconnant. Après on dégaine plus l'épée fétiche quoi. C'est un peu dommage. En même temps il l'a jeté hein. Si on veut être cohérent, il ne l'a plus l'épée fétiche. Enfin l'asset fétiche plutôt. Paf. Allez vas-y. Paf. Bah voilà. Facile. Là, il y a un combat, effectivement. Bonjour, Roche. Qu'as-tu à nous dire? Il y en a encore. Heureusement que vous étiez là. Navré de vous avoir mêlé à ça. On est là pour ça, mon pote. C'est la moindre des choses. Oui, j'imagine que tu as raison. Enfin, soit. Nous nous sommes occupés de l'avant-garde, mais la seconde vague est en chemin. Ils seront sûrement super nombreux. Agnus fait pas les choses à moitié. Normalement, nous devrions repousser un assaut pareil sans aucun problème. Malheureusement pour nous, bon nombre de nos équipes sont mal en point en ce moment. Alors, nous devons les aider. Un point, c'est tout. Non, allez vous reposer dans la cantine, apportez-nous votre soutien lors de la prochaine offensive, d'accord? Vous êtes certain? Oui, certain. Je reçois des appels des autres unités, je dois pouvoir y répondre sans délai. Ah, je comprends que cela demande toute votre attention. Très bien, on se voit plus tard. Quelque chose se tracasse, Tayon. Oui, mais rendons-nous d'abord à la cantine. Y aurait-il un infiltré? Hop. C'est pas où on va là. Eh ben on se bouffe le mur, voilà. Voilà où on va. C'est à te courir. Qu'est-ce qu'il s'est passé avec les Levnis autonomes au final? J'en ai entendu parler en chemin, il n'en reste apparemment plus qu'un seul et il défend le niveau supérieur de la colonie. Et voilà Moraine. Il apprend des meilleurs, hein, Noah. Shulk, il était pareil en maillot de bain. Hein. J'espère qu'elle n'en fait pas trop. La colonie Lambda est fondée sur la coopération et elle est bien gérée. Je suppose qu'elle existe aussi dans Xenoblade Chronicles 2, mais je crois que je l'ai jamais eu. Je l'ai jamais eu dans mes deux playthroughs, donc elle est peut-être dans les DLC en New Game Plus et... Comme j'ai jamais fait, je l'ai jamais fait en New Game Plus Xenoblade Chronicles 2. Agnus a beau avoir l'avantage du nombre, je ne pense pas que Lambda se révélerait être un tel adversaire. En effet, la cohésion et l'excellente gestion de la colonie Lambda la rendent proprement redoutable. Mais la colonie semble étrangement épuisée ces derniers temps. Je ne sais pas si c'est dû à la surcharge de travail conséquente, à la destruction de leur cadran vital ou si c'est autre chose. Peut-être la coopération entre les équipes de logistique et de combat laisse-t-elle à désirer? Ah oui, ils ont essayé de trouver leur voie en dehors de la guerre, réparation de l'avenir autonome, extraction des terres, et ces nouvelles activités apportent leur lot de tensions, voire de conflits. Mais tous ces problèmes n'auront bientôt plus d'importance si nous ne remportons pas la bataille d'aujourd'hui. Oui, voyons ce que nous pouvons faire pour leur venir en aide. Non mais là c'est un peu de sérieux quand même. On est en combat. Je remettrai Noah en maillot quand ils seront tous en maillot. Bah là, non, nos ponts, ouais, mais non. Quoi, je peux te mettre, Noah? Mon arc invocateur? Allez. Du coup, je vais plutôt mettre toi. Est-ce que je peux te mettre en Ethel? Bah non, on avait vu que ça, je pouvais pas. Sad. Bon, bah du coup, on va inverser Mio et. Dommage. Mio et Yoni, il faudrait que je passe niveau 10 avec leur classe pour leur donner. Ça dit, j'ai des nopons, non? C'est des dorés ou c'est des... Mais j'ai des dorés aussi, de toute façon. Personnage. Classe. On va te mettre en... Comme ça. Je peux pas... C'est doublon nopon. Oh non!
C'est pas des dorés. Dame. Ça c'est un DPS, ça c'est pas bon. Faut que je te mette en tank du coup. Ouais. Allez, je te mets en tank. Pas trop de sens, hein, mais. Parce qu'il avait ses armes buffées. Mio. Ah putain, je galère toujours. Mio. C'est pour ça que je l'avais mis en sa classe de base, mais bon. Alors, quelle est la situation? Je dois dire que je suis content de voir vos visages souriants. L'ennemi arrive sur nous en approchant par le haut. Par le haut? Ah, effectivement. Il faut rassembler d'autres troupes pour lancer une contre-attaque. Roche, attendez, continuez à vous concentrer sur l'avant. Comment ça? Ça n'a aucun sens pour les forces d'Agnus de vouloir s'emparer du niveau supérieur à ce moment-ci de la bataille. Si cela avait vraiment été leur intention, ils auraient aussitôt créé une diversion avant d'attaquer ici. Et pourtant, ils ont à peine affaibli nos forces, ils ne vont sûrement pas tout risquer sur un coup de bluff. Bien observé, gamin, alors qu'est-ce que tu en conclus? Mon hypothèse est qu'ils cherchent à attirer et immobiliser stratégiquement nos forces au niveau supérieur. C'est un argument convaincant, je vais renforcer nos points faibles. Ça, c'est un capitaine. Prise de décision ultra rapide et boum. Ha, je sais que ma réputation n'est pas flatteuse, mais je sais comment diriger une unité de combat. De notre côté, nous allons progresser jusqu'en haut. Si un ennemi s'autonomie est positionné aussi, ce sera du gâteau. Bon, ben voilà. Bon, alors c'est décidé, allons-y. On va envoyer la meilleure troupe pour casser la gueule à la diversion, c'est ça? C'est pas très futé, hein. Je veux pas dire, mais... Infiltration. Non, ça ne marche pas. Après, je peux peut-être me téléporter. Ça m'évitera de tout monter, non? Ça me paraît bien. Ah oui, c'est effectivement un très gros. C'est le gros là? Oui, d'accord. Bon. Ça devrait le faire. Ouais, mais ils se font éclater les pauvres. Ce que j'aime bien, c'est que c'est quand même une équipe agnienne qui attaque une équipe agnienne. Parce que lambda, ils sont agniens. Je comprends pas bien. Pourquoi Agnus nous attaque? Ça n'a pas trop de sens. Non, je sais pas. J'ai dû oublier un truc dans la quête, mais... Je pense que c'était le dernier. Mais il y en avait combien au juste? On aurait dit que tout Agnus était là. On devait sans doute faire un rapport à quelqu'un, enfin je dis ça. Tu as raison, ici nous nous rendions au poste de commandement. Je me demande pourquoi ils s'en sont pris à la colonie Lambda. Que veux-tu dire, Taïon? Je ne comprends pas pourquoi ils ont pris le risque de s'attaquer à une colonie aussi bien défendue que la colonie Lambda. Peut-être en avaient-ils après leur éther. Ce n'est pas impossible, mais pourquoi une attaque aérienne dans ce cas? Tu réfléchis trop, mec, ils ont juste eu envie d'utiliser leur Levnis, c'est tout. J'espère sincèrement que tu as raison. J'ai bien peur que non, malheureusement. Y a-t-il de l'eau en bas? Non, mais je peux aller sur la colonie comme ça. Paf. Et après, j'en fais rien, cela dit. A priori, c'est une cascade, il y a de l'eau. Oui, alors après... Après, il faut atterrir dedans. Peut-être une aussi grande cascade que ça. Ça donne un petit peu de flotte juste. On peut encore marcher dedans, quoi. Ça, c'est pas très crédible, par contre. Parce qu'une cascade comme ça, t'as un lac en dessous. Hein. C'est pas à 2 mm de haut. Mais bon, soit. Passons. Mais dans l'univers de Xenoblade, il y a des choses qui sont pas comme sur Terre.
Je tiens à vous remercier pour vos efforts dans la défense de la colonie. L'ennemi a décidé de se replier après sa défaite. Vous pouvez tous vous reposer pour le restant de la journée. Tulgrim, tu veux bien rester encore un peu avec le commandant et moi? Oui, monsieur. Nous devons déterminer quelles étaient leurs cibles et comment ils sont parvenus jusqu'ici. C'est inutile, capitaine. Koji? C'est moi qui les ai ramenés ici. Ah, c'était... Tu as fait quoi? Mais vous vous en doutiez, non? Ils sont venus par les airs car ils savaient comment éviter notre système de détection. C'est moi qui leur ai dit quels étaient nos points faibles. Et je leur ai transmis ces informations via la caravane des Nopons. De quoi est-ce que tu parles? Est-ce que tu réalises ce que tu es en train de dire? Tu serais placé à l'isolement pour ça. Je sais qu'on est tous fatigués, mais ce n'est pas le moment de faire des blagues, va plutôt te reposer. Selon moi, nous aurions pu éviter la perte des Levis autonomes si nous avions été en mesure de réagir plus rapidement. Mais notre colonie en est incapable dans l'état actuel des choses. Sans les Ouroboros, nous aurions été décimés. On a beau avoir les meilleures troupes tactiques et les troupes les plus impressionnantes, ce sont quand même nous les perdants. Si on n'apprend pas à réagir rapidement en cas de menace, nous pourrons dire adieu à notre colonie. Tu as sans doute raison, et tu as fait tout ça pour prouver ton point. Mais c'est un peu bêta quand même. La colonie Lambda doit changer ou nous allons mourir. Je refuse de baisser les bras et de fuir devant l'avenir comme Shijima a voulu le faire avant de mourir. Et je suis certain que vous aussi, capitaine. Emmenez-le. Mais... Les choses ne peuvent pas rester telles qu'elles sont. Lambda ne peut pas survivre ainsi, vous le savez. Je suis désolé que vous ayez assisté à cela. Non, nous... Les paroles de Koji ne sont pas dénuées de sens. Nous sommes tous extrêmement conscients de notre situation. Dans ce cas, un changement n'est peut-être pas impossible. La discipline est comme une armure. Quand on la retire, on perd en protection ce que l'on gagne en liberté. Commandant, merci de nous être venus en aide. Prenez un peu de repos, il est amplement mérité. C'est Koji qui a orchestré l'attaque de la colonie dans l'intention d'imposer ses desseins. Comment la colonie va-t-elle répondre à cette provocation? Bah, pas en positif, je pense. Roche, qu'as-tu à nous dire, Roche? Dites, vous gardiez contact avec Shijima, n'est-ce pas? Bah, il est mort, non? Pas vraiment, mais j'ai entendu que Moraine avait guidé son âme. Shijima pouvait être lâche et faible, mais il plaçait la colonie avant tout. Nous étions dans la même période, c'était mon meilleur ami. Le rituel était vraiment magnifique. Je ferai ce que je peux pour que son souvenir demeure vivace au sein de la colonie Lambda. C'est un peu sad? C'est un peu carrément sad. Après, le fait qu'on soit dans un espace-temps figé, bah, techniquement, il sera encore en vie après. Eh bien, on peut dire que c'était agréable de briser la routine. Le bain vous a bien relaxé? Oui, mais la besogne a recommencé dès mon retour. Je ne peux pas laisser les tâches s'accumuler. J'espère pouvoir emmener tout Lambda visiter ces termes un jour. Peut-être? Y aura-t-il une quête secondaire? J'ai un peu du mal à y croire, mais... Après tout, pourquoi pas? Non, je me suis encore fait avoir. Tonya, qu'est-ce que tu as à nous dire, Tonya? Les détecteurs installés par Varenne fonctionnent-ils correctement? Il semblerait, oui, je ne suis pas certaine qu'ils soient placés aux meilleurs endroits, cela dit. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, la forêt de Makta débouche sur le niveau supérieur des grandes cascades. Selon moi, c'est le genre d'endroit où ils auraient dû être placés. Effectivement. La colonie va-t-elle vraiment s'en sortir de la situation actuelle? Si vous n'aviez pas été là durant le combat, nous nous serions pris une sérieuse raclée. Depuis quand sommes-nous devenus si faibles et pourquoi? Je ne peux pas vraiment te dire de rester optimiste, mais si tu le peux, tu dois continuer à aller de l'avant. Merci, je n'arrête pas de penser à ce que Shijima nous a laissé. Je dois persévérer, n'est-ce pas? Comme ça, je ne perdrai aucun de ses précieux souvenirs. Tu as du cran, Moraine. Comme ta risette qui arrive en plein milieu, la paf. Ah, elle a peut-être déteint sur moi. J'ai cru qu'elle allait les écraser. Je soutiens Koji. Oui, j'ai entendu des tas de discussions à ce propos à Lambda. Il semblerait que les choses changent dans notre colonie. Si tu veux le meilleur pour la colonie, alors tu dois comprendre. L'idée de Koji n'était pas mauvaise. Oui, enfin... L'idée peut-être, la mise en place, il y avait mieux à faire peut-être. Que de faire attaquer la colonie. Donc c'est pas génial quoi. Alors je ne fais que me battre, c'est sans doute mieux que je sois soumis à un système de règles et de régulations. Ok, mais avec ceux de la logistique, on en a marre de cette administration complètement sclérosée, pardon. On travaille avec d'autres colonies, on est débordé, mais on doit encore passer par l'administration. Non merci. Pas contente. Alors Varenne, qu'as-tu à nous dire? Eh, vous connaissez Céline de la colonie Tau, sûrement. Bien sûr, pourquoi cette question?
Il aurait trouvé des ressources avec la sonde que nous lui avons prêtée. C'est une très bonne nouvelle. Nos relations avec la colonie Tau seront sans doute excellentes à l'avenir. Ok. Hein, je croyais que vous aviez le moral dans les chaussettes parce que la sergente s'était énervée contre vous. Eh bien, tu n'as pas tort, c'est vraiment une technologie géniale, mais je n'aurais pas dû enfreindre le protocole. Mais maintenant, nous devons penser au bien de Lambda. Je ne peux donc pas me morfondre, j'ai des choses à faire. Viens là, Kitty. Oh, on a donné un coup de pouce à Varenne, mais c'est vraiment un bon ingénieur. Oh oui, Varenne est super doué, en vérité, il est sans doute au premier rang pour devenir le prochain chef de l'ingénierie. Le bien-être de la colonie lui tient à cœur et il travaille dur. Oui, je suis certain que Varenne sera un excellent dirigeant. Ah, mais je te reconnais, effectivement. C'est bien ce qu'il me semblait. T'as déjà parlé la dernière fois. Tadam ! J'ai cru voir un autre I, non ? Je crois qu'il y en avait un autre ici, mais non. Whitby, qu'as-tu à nous dire ? Dites, ça vous dérange pas, quelqu'un voudrait bien m'expliquer ce que sont des termes. Quoi, d'où sort cette question ? Le commandant ne cesse de demander à tout le monde de l'accompagner à des termes. Ah, ah, il a une légère obsession pour les termes. Ça ne répond pas à ma question. Le pauvre. C'est un bain d'eau chaude. C'est naturel, c'est vous qui avez aidé Koji alors. Exact, nous avons pensé que ce serait la meilleure solution. Demandez-nous la permission la prochaine fois, nos règles sont strictes ici, vous savez. C'est en obéissant aux règles que l'on construit un sentiment de solidarité. Koji est aussi naïf qu'il est enthousiaste, je souhaiterais que vous ne l'encouragiez pas de la sorte à l'avenir. On fait ce qu'on veut, enfin. On est grands et vaccinés. Surtout des fucking Ouroboros. Donc on fait ce qu'on veut. Non mais... C'est pas une carte à Simana qui va nous embêter, hein. Bon, alors. Il y a un conteneur, là, a priori. Il est au-dessus. Il est où? Il est juste là. Très bien. Ah, des doublons d'argent. Parfait. Hop. Bah, ça me paraît pas mal. Dans le prochain épisode, je pense qu'on fera un combat. On fera une succession de combats là dont je vous parlais. On se retrouve donc dans le prochain pour la suite et dans l'épisode du DLC plus tard dans la semaine pour profiter encore de Xenoblade Chronicles 3. Et sinon, la semaine prochaine pour la suite de Xenoblade Chronicles 3 de base. Voilà. Ciao, ciao tout le monde et à la prochaine.